Salut à tous, c'est Gorskull et bienvenue pour l'épisode les amis numéro 4 s'il vous plaît, le Gorshop est toujours là. Tu vois le niveau du magasin, on est bientôt level 15, hein, donc c'est pour ça que j'avais fait mon petit game en off. On va revenir sur certains points, on a eu Elysia qui nous a encore fait quelques petits commentaires intéressants. En revanche, comme par hasard, avant de tourner, il y avait une mise à jour et on revient sur cette fameuse question à laquelle il m'avait répondu. Il t'en faut deux, là, des pulvérisateurs je sais plus combien, là, G500 ou... Il y a eu la mise à jour. Ah non, c'est pas le M100. Il y a eu une mise à jour sur le... Alors, le G500. Alors, c'est pas... Alors, il en faut bien deux sur le... Donc, sur le G500, avant, il a fait une mise à jour sur lequel il fallait deux coups de pression pour enlever les puants. Donc, c'est pas sur celui-là. Donc, effectivement, il en faut bien deux pour annihiler l'odeur pestilentielle de ce petit puantos. Regarde, le Heisenberg, ici. Donc, sur la partie en off, on va revenir sur les deux jours, je crois que j'ai dû faire en off. Qu'est-ce que j'ai loot comme carte, les amis? Une carte à 479, un petit Koshoke à 155, une à 118, hein, et après, des petites cartes. Donc, rien de dingue. Après, tu le sais, j'ouvre pas non plus des masses. On a eu comme... Je vais ouvrir, les gars, vous inquiétez pas. Alors, pendant que je fais mon explication, on va s'ouvrir une case directe, hein. Les gars, on va se faire plaisir, on veut ce la momie, tu vois. Il y a le fait que, je disais dans l'épisode, je n'avais pas pensé à ça, je préférais pas débloquer, rappelle-toi, les plus grandes valeurs de... Les cartons de 32, je prenais les simples, au lieu de prendre les cartons de 64, parce que c'était une licence encore à 500 balles qu'il fallait dépenser. Mais justement, Elysia m'a fait remarquer que ben, tu as les frais de livraison et mine de rien, quand tu commandes par des cartons de 64 boosters au lieu de 32, ben, c'est 5 balles par-ci, 5 balles par-là, donc au final, ben, c'est une somme non négligeable. Hein. Sur les frais de livraison, j'avais pu penser à ça, effectivement le prix unitaire de la carte reste identique, mais 19 balles les amis, mais... Les frais de livraison, effectivement, bah, tu commandes deux fois plus de cartons, donc deux fois plus de frais. Donc effectivement, tu te dis 5 balles par-ci, par-là, mais, mis bout à bout, ça fait une somme. Donc effectivement, de prendre les cartons plus imposants et de débloquer ses licences, à ce moment-là, c'est peut-être plus judicieux. Tu peux le remarquer, on a de la monnaie, donc on va finir la case et on va tout de suite, je pense, agrandir, acheter un deuxième anti-pu, histoire d'être tranquille. Ils ont fait une mise à jour où on peut acheter une poubelle et mettre une poubelle à l'intérieur, ça je viens de lire aussi. Ils ont fait aussi une mâche concernant les clients, ce qui va pas chez les clients. En fait, il me semble que c'est sur le téléphone, 8 balles, rien de fou les gars pour commencer l'épisode. Donc on va pouvoir enfin voir pourquoi les clients sont mécontents. Ça sera sous forme de mail, ça ressemblera un petit peu. Il y a l'établi à construire encore dans cet épisode, les amis. Et c'est le dernier. Voilà, une case, hein, pas régalade, hein, encore une fois. Ah, ouais, 27 balles. On a eu un petit 20 boules aussi tout à l'heure. Bon, rien de fou, là, tu me diras dans la case. Oh, le Scarlio, 505 boules, les amis. Là, c'est bon, on a des petites cartes. Et il nous a précisé aussi, Elysia, que... Et 42 balles, s'il vous plaît. Qu'il y avait une limitation par rapport à l'argent max que avaient les bonhommes. Alors, elle est basée sur quoi? Le niveau du magasin ou autre? Je ne sais pas. Le nombre de jours peut-être passé. Là, tu vois, on est niveau du magasin 14, jour 14. Bon, c'est peut-être une... un truc pas fait exprès, voilà, la case à vie, les amis. Donc, on va pouvoir découvrir un petit peu ce qui va pas, et a priori, on peut mettre une poubelle à l'intérieur. Exact, les amis, 500 boules, ça, c'est pas mal. Donc, écoute, moi, ce que je te propose, c'est d'agrandir, on est à combien, là, 2600, 500 et 600 000, ouais, allez, on se fait plaisir. Voilà, parce que je voulais les tables. J'aimerais les tables là au niveau du vitrage. Je trouve que ça sera plus sympa et agréable. Enfin, je pense. Hein.
Alors, je les voulais peut-être comme ça. Est-ce qu'ils vont réussir à passer derrière la machine? Ouais, ça passe là. Ça passe. Donc il faudra, ouais, il va falloir que je déplace là d'abord. Alors attends, hop, on se fait une petite réorganisation, les amis. J'aimerais plutôt ça là-bas. Écoute, on va le mettre là en dépannage. Ça là, hop, on va se faire de la, on va se faire de la place, t'inquiète. C'est un peu le bordel. Et c'est quand même plus rapide en jeu que IRL, hein, sans déconner. Non, monsieur, on va éditer ça après. On va mettre, je pense, comme ça. Est-ce qu'on peut, sans déconner? Ouais, on peut. Alors, attends, pour pas faire trop proche, au pire, on va faire ça comme ça. Là, pile poil calé derrière. Ok. Logiquement, il passe, là. Hein. Oui, monsieur, poussez-vous, s'il vous plaît. De toute façon, le site l'autorise. Ah, j'ai que trois tables. On va s'en acheter une quatrième par la suite. Attends. Je bricole, hein, les gars, je bricole un peu. Est-ce qu'on mettrait en face ou on change comme ça ici? Et après, dans la continuité, on en mettrait des centraux. Tu sais, les doubles là. Regarde, je vais te montrer. Ici, tu vois, étagère double face, histoire d'en mettre. Bah, attends, on fait comme si c'était une double face. Là. Et de la mettre, tu vois, en face. Tac, et comme ça, de l'autre côté, on a aussi. Ça fait vraiment un beau petit rayonnage. C'est comme ça que je le vois. Après, si tu avais d'autres suppositions, n'hésite pas à les partager. Hein. Bien évidemment. On va mettre le machin ici. Voilà, on est proche. On va mettre. On peut laisser le pou, les peluches peut-être ici, je ne sais pas. Ah, je vais t'emmerder avec ça du coup. Ça, ça le fait pas trop. Hein. Attends. Ouais, ça change un peu là. Je vais fait quelque... On va mettre le machin ici. Attends. On va pousser ça. Hop. Par ici, s'il vous plaît, monsieur. Au max ici sur le côté. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal là plutôt pour au niveau du stock. Voilà, ici, comme ça, on est bien. On le voit là aussi. Ok, ça, moi ça me va si tu veux. Bon bah hop, on va. Non, monsieur. Voilà, s'il vous plaît. Ça, c'est quoi les dés? Ah, tu vois, j'allais partir direct là-bas. Il me faudrait une grande. Hein. On va mettre le. On va laisser le. La machinerie ici. Ah, du coup, on peut le coller. Hein, c'est pas la fin du monde. Et là, ils vont jouer. Et on pourra en mettre un derrière. On va le mettre au milieu histoire qu'il puisse tourner autour. Hein? Ouais, moi je dis, les gars, on se rachète une table histoire 2 parce que ça ramène quand même de l'argent. 200 balles, c'est pas non plus ouf. Et tu sais quoi, 1300 balles. Attends, on va se remettre une étagère. On va se remettre une étagère, les gars, on se fait plaisir. Voilà, on agrandit le mag. Donc, il faudra racheter un deuxième truc anti-puant. C'est vide, les amis, ne vous inquiétez pas. On va remplir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, donc là, on voulait mettre les sleeves en haut. Les sleeves, on va les mettre là-bas. Attends. Hop, impeccable. Est-ce que je peux les prendre directement dans le carton? Mais oui, super, au lieu de faire ça à la main. À chaque fois, ça, c'est pratique, ça. Voilà, les sleeves en haut, les amis. On se réorganise, hein, on se fait plaisir. Bon, la poubelle, hein, pour aller mettre à l'intérieur, on s'en fout un petit peu. Là, on est sur quoi, là? Éditer, ouais, c'est bon. Est-ce qu'on peut faire un autre truc? Coupe d'eau? Coupe du vent? Bon, je sais pas si ce sera pour tout de suite ou si ce sera pour demain. Allez, let's go, on va ouvrir. Et tu sais quoi, même? J'ai envie de me faire un petit kiff. Attendez, les gars, bougez pas. Ah, allô? Hop. J'ai envie de changer la caisse, tu vois. Oh merde, il y a les petits. Alors attends. Les. Oh, excuse me, please. Les.
Putain, mais... J'ai envie de me faire un petit kiff, tu vois, foutre ça là-bas, tu vois. Ah oui, parce qu'il okay, se s'indexe sur le truc. Ouais, j'ai envie de me mettre là. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça pas mal. Hein. Ouais, j'ai pas... Bon, j'ai pas beaucoup de place. Attends. Ouais, je suis un petit peu trop serré contre le mur. Alors, on rend 16 balles. Et c'était une carte qui est à 24. Bon, après, bougez pas, les gars, parce que... Je vais déplacer tout ça. Ah merde, putain, il y a un gars dedans. Ah bah oui, mais là, ils vont pas arrêter, là. Ah, je suis trop proche, là. Allez, stop, stop, c'est fini, les achats. Là. 76 balles. Ok. Allez, peut-être la vente de la grosse carte, hein, les amis, aujourd'hui. Allez. Ah, ça peut être pas mal, plutôt comme ça, ici. Attends. J'ai un peu de place pour circuler. Ouais, ça, j'aime bien ici. Ça, je peux me mettre des petits cartons, là. Ouais, je suis proche. Ah, par contre, ça, il faut que je le mette quand même quelque part. Hein. On va voir où c'est qu'on peut mettre ceci, les amis. Ok, le petit... Pour six feux. Ça rentrera pas. On peut le mettre là. Hein. Oui, c'est pas un problème. Ils peuvent faire le tour. Ok, bougez pas, les dés, ok, ici. Ah, ça m'embête, ça. Ah, je peux pas mettre ça là. Parce que mon petit restocking, je peux le mettre là. Ah, ça fait con. Ouais, ça fait con. On verra après, là. On va essayer de se trouver une meilleure disposition. Le compte est bon, monsieur, merci beaucoup. Ah, je sais quoi faire. Je viens de trouver. Tu te rappelles, j'en avais marre qu'il passait derrière. Le professeur. How do I get in? Ah oui, d'accord, ok, parce qu'il y a El Piontos. Peut-être pour ça qu'il disait ça. Donc on va voir un G, effectivement, ça suffit pas, il en faudra un deuxième. Donc on va le Kleenex hein, vite fait. Aller acheter le carton, pas l'acheter, le jeter. J'ai trouvé. Comment on va faire, les amis? J'attends qu'il n'y ait plus de clients, vite fait. Bon, ça va, ça, c'est bien que ça coûte rien. Hop, le petit portefeu. Ah, 24 balles. Bougez pas, monsieur. Oh, je lui ai mis dans les pattes. Hein. Je vais le remettre quand même en mode standard, tu vois. Mais plus vers ici. Parce que j'ai de la place là. Oh, c'est même un peu trop... Ah, c'est... Non. Ah! Bon, vous savez quoi, les gars? Je vais fermer le machin. Non, c'est con. Tiens, je te donne un ballon plus, je suis sympa. Allez. Ah, je peux... Ouais, non, je peux... C'est vraiment là que je voulais le mettre. Et on a des trucs de stockage ici, tu vois. Alors, attends. Qui passe derrière. Ah, c'est vrai qu'il faut une sacrée place pour circuler autour. Écoute, ça va encore. Hein. On verra après avec les prochaines étagères. Et on remettra une deuxième machinerie ici pour le fumer de face. Je pense qu'il y a moyen. Par contre, je vais mettre comme ça. Ça, les produits qui sont là en avant. Mais après, je vais te coincer si tu vois ce que je veux dire. Si je vais mettre une machine, il y a tout ça à laisser libre, ce qui est normal. Ah, El Puantos. Ça, j'en ai marre de m'occuper de ça, là. Je vais acheter une deuxième machine tout de suite. Là, je marche sur mon carton. Écoute, ça va encore, là, comme ça. On va voir si la deuxième machine, on peut la passer. Allez les gars, achetez. Oh, il y a deux cartes là. Est-ce que... Pas du tout. On va bien vendre la God Card. Hein. La monnaie elle rentre. Donc effectivement, c'est sur le nouveau. Hein. Allez les gars, le truc anti-puant parce que là...
est-ce que je peux le caler là sans que... Oui, je peux. Est-ce que ça gêne le passage? Non. Pas plus que ça. Attends. Non, de toute façon, je peux le mettre. Je n'ai pas besoin de le mettre en biais. Hein. Je le mets là, tranquille. Hein. Et là, on passe. Hein. Y a pas d'embrouille, les gars. Ah, la main est déjà pleine. Tac. On. Ça, on sera tranquille. On va repartir à la chasse, là. Là, il y a quoi dedans? Oh, il y en a bien qui est claqué, là. Bientôt, un. Ouais, les tables, là. Ah, the door is blocked. Aïe, 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 d'accord, ok. C'est bien ce qui me semblait. C'est ça, how to get in. Comment je fais pour y aller, là? Ok, d'accord, my friend. Je vais te décoller de ça, de là. Je me suis dit aussi que c'est... Ah, bah, comment il a fait, lui? Ah, bah, oui, il n'avait pas de table à côté. Ouais, bon, bah, écoute, jouons. C'est un peu le bordel, là, les gars. Je peux pas les virer, là. Ils viennent de se mettre en game, là. Ouais, effectivement. Il faut que je laisse plus d'espace pour qu'ils circulent. Et on a vu, on peut encore tirer un peu là-bas. Ok, c'est un peu nimp, là, pour l'instant. C'est pas grave. On va mettre des cartes en vente, les gars. Il y a du lourd, là. Avec des 100 balles. Là, on est sur du 400, 100. Donc là, les prochaines ventes de cartes, là, c'est du... Comme tu peux le voir, c'est du costaud, hein. Laisse-moi mettre le price, my friend. Ok, là, les gars, c'est bon. On commence... Par contre, j'ai eu mes étals, là, derrière. Ah, j'ai oublié, mais... Gorskull, tu oublies de tout montrer. Je l'oublie de vous montrer. J'ai loot une fantôme, aussi, dans le tas. Je vais vous la montrer tout de suite, les amis. J'ai looté une nouvelle fantôme. Donc effectivement, les fantômes que je vais conserver. Ah, je vous montre ça de suite. Elle est magnifique. Elle coûte aussi plus cher que la première que j'avais eue, hein, les gars. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, sélection d'album. Tadam! 458 balles, s'il vous plaît, Jack Tern. Les amis, le Jack-O-Lanterne de Summoner's War, les gars. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On avait loot déjà le The Griefer, là. Et là, on a le Jack Tern. C'est très joli. Hein. Alors, il me dit plus. Il me semble que c'était sur du orange. Je m'en rappelle plus trop. À confirmer. Hein. Alors, on va refaire le plein parce que là, ouais, on est pas mal... On est pas mal desséché. On est bien. On se sent bien dans le magasin. On progresse bien. Pour ça, il n'y a pas d'embrouille. On est... Franchement, ça fait plaisir. Ah, le petit porcifeu, les gars, à 171 balles, les gars. Et la monnaie, elle monte, la monnaie monte, la monnaie monte, les amis. Ça, c'est ce qu'on a, hein. Donc, les factures, ah bah tiens, ça, c'est... On va la mettre là, hop. Au moins, là, on est sûr qu'ils peuvent se poser. On décalera. Peut-être, je vous montre, je fais un signe comme s'il y avait la caméra avec ma main, puisque je suis à moitié italien aussi. Et sauf que non, lorsque la caméra ne tourne pas, ça sert à rien de montrer que ta main, les viewers ne voient pas. Donc les gars, ouais, et 2 secondes, les gars. Attends. Non, c'est la grosse qui danse. Ah putain, là encore, là, sans déconner. Eh oui, il est à l'envers, il est dans l'autre sens. Mais c'est une carte, hein, 46 dolos, les gars, c'est bon ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a des... Ouais, il va falloir... débloquer, donc je vais vous montrer ce qu'on va débloquer, hein, ce dont me parlait Elysia aussi. C'est justement, les gars, bah, ces licences, hein, tu vois, boîte de cartes de base, tu en as 8, dans ce carton tu en as que 4, mais quand tu les prends par 4, bah, tu as des frais de livraison, effectivement. Souvent, bah, tu m'as vu dans les épisodes, quand je fais le restock et compagnie, je prends 2 fois le carton, donc 2 fois les frais, alors que bon, allez, à 200 balles on peut prendre. 650, hein, quand même, hein, putain. On le prend, mais je... Voilà, quantité une seule fois. Et... Effectivement, quand tu fais le calcul après... Putain, ça m'embête, là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre en booster? Ouais, des violets. Magasin... Bientôt 15, les amis, 15. On va pouvoir choper. Donc ça, on peut acheter la licence après. Et les porcifeux... Level 15, on va garder un peu de monnaie quand même, hein, sans déconner, parce que là je suis en train de tout se racheter juste un petit carton là. J'arrive les gars.
Ah, si on pouvait vendre la The Big Card avec 200 balles, hein, quand même, sans déconner, là, encore. Allez, 15 balles, mon pote, prends ça. Ouais, les employés, j'ai pas... J'ai vraiment un réel plaisir à faire le taf, tu vois. Vraiment... Ah oui, c'est boîte de 8, du coup. Et oui, c'est plus le... C'est plus la même dinguerie. Alors, attends, hop, on jette. On pose à côté. On le met là en attendant. Voilà, on va se faire un petit stock là. Voilà, les ETB en gros carton. Effectivement. Non, attends. Hop. Allez, tu sais quoi? On se l'ouvre. Allez. Je savais pas où la poser. On se l'ouvre, on se fait plaisir, les gars. On n'oublie pas le Flumi là. Légendaire de fou malade à 2000 balles. Hein. La momie, le Flumi, pardon. Ah, ça serait mon gros kiff, hein, celle-là. Oh, 17 balles le fenard. Ok. Arrondi au-dessus. 34 balles. Ah, je sais que ce TB-là. Ça allait payer. Ok, ok. On se fera de l'opening. Oh, 87 balles là! Full art, les gars. J'arrive, my friend. On pourra voir les commentaires, hein, les gars. On peut peut-être déjà en voir. Hein. Attends, on va regarder ça. Ok, on va remplir ici. On va mettre un petit coup là. Voilà, parfait. Ah, ça part, booster, sleeve, c'est là. Il n'y a pas d'embrouille, les gars. On va pouvoir prendre les nouvelles... Une nouvelle série, on va bientôt passer 15. Est-ce que je mettrai pas en long? Non, j'aime bien comme ça, là. Ouais, j'aime bien, là. Là, les gus qui jouent, ils peuvent voir un peu dehors. Oh, le puant, les amis. Test ultime. Oh, bouge pas, mon pote. On se met en hauteur, on regarde. Let's go. Ah, il s'est pris deux doses, mon pote. C'est bon, là. Ok, bah, c'était bien ça. Merci. Elysia pour le com, mais nouvelle mise à jour. Hein, pour la plus grosse. Hein, celle à 1500 boules. À 105 balles encore. Hein, ça rentre la monnaie, hein, les gars. Hein. Ok. Oh, de la sleeve là ici. T'inquiète. Et tu reviens demain, mon pote. Il y a les nouvelles sleeves. Hein. C'est peut-être un peu dommage que t'aies claqué sa cache. Les dés. Ok, c'est parfait. Du coup, bon prix, bien sûr, bon prix. 20-20, ça rentre. Allez, viens là, mon pote. Oh, les cartes, ils sont en train de tout me piller là-bas. Et il reste que là. Ah non, là. On touche pas à ça. Destin, ben, on n'a rien encore. Hein. Ça sera la prochaine série, je pense. Puis là, on va vendre, hein, les gars. Tac, du 30 balles. Tac, ouais, c'est bon, c'est bien là. Là, c'est des cartes à 15 mini là. On a l'établi à faire. Et oui, les gars, l'établi. Oh là là, mais il faut masse thune, hein, sans déconner. J'arrive, messieurs. Allez, tu sais quoi, on va mettre à 20%. Les cartes, ça part bien. J'ai des clients assez fidèles. On va regarder, j'ai pas oublié les amis, hein, ce qu'ils pensent, hein, les clients. On encaisse les deux petits brigands là-bas. Je sais pas leur temps de... S'ils ont un temps, au bout d'un certain moment, ils se cassent. Il est quelle heure? Eh bien, c'est l'heure, les gars. 527 balles, les gars! Binge! C'est fini, on va réorganiser ça. Est-ce que ça va pas créer un petit bouchon? Les gars, c'est fini. Les gars, c'est fini, s'il vous plaît. Alors, les avis, on va voir tout de suite ensemble. Alors, bonne boutique, les gars. Ça c'est ce qui fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Bonne boutique. Putain, les gars, 4 sur... Punaise, pardon. 4 sur 5, wow, 5 sur 5, j'aime chiner dans cette boutique, je ne sais pas comment ils font pour garder la lumière avec ces prix. Ouh, j'adore ce magasin, aucune odeur du tout. Eh ben mon pote, on a mis la deuxième machine, hein, gros. Là, on a mis l'extermination des puants, bon moment à jouer ici. Mais oui, mon pote, en plus c'est cadeau, j'aime vraiment Gore Shop, mais voilà, putain, les gars. J'aime vraiment Gore Shop, c'est pour ça qu'on fait ça. Beaucoup de cartes rares ici, ben oui, on ouvre, pas autant que les autres, mais... Oh, punaise, regarde-moi ça, 4,04 sur 5, les gars, merde! Pas une seule étoile de... Oh putain, on l'attrape, on le chope, les gars. Muriel Bimeto,
Qui c'est ce gars? Qu'est-ce qu'il nous a mis? Quelle arnaque! Ils essayent de vendre pack de cartes rares beaucoup plus cher. Quoi, dans cet autre magasin où je suis allé la semaine dernière? Eh ben écoute, tu sais quoi? Tu retournes là-bas, mon petit pote. Tu retournes là-bas direct. Mais si je te rattrape ici, mon pote, on te fait la peau. Eh ben tu reviens pas, Ronus, putain, mais c'est quoi, punaise, là? Impossible d'entrer en magasin, mais what the fuck? Mais non, mais le gars, je vais le cogner. Quoi, ils ont installé des trucs pour bloquer l'entrée? C'est quoi ça? Pourquoi la porte est-elle bloquée? Non, mais what the... Attends, il y a peut-être un... Ah non, c'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être à cause de ça. Rappelle-toi, machin. Attends, parce que là, il y a un délire, les gars. Comment ça, tu peux pas rentrer, mon petit pote? Attends, on va laisser plus de place. Tu vois? Mais est-ce que... Derrière, ça passe? Non, peut-être à cause du truc de... Attends, le truc de puant, on va trouver un autre truc. Comment je fais pour la... mettre en boîte? C. Vas-y, on va mettre ça en boîte, là, vite fait. On va déplacer ça là. On va faire en sorte, oui. Ok, j'allais dire c'est en grand. Donc là, logiquement, ça devrait aller. Les gars, là, il y a de la place. C'est peut-être pour ça. Hein. C'était pas le magasin, c'est peut-être la trad qui est mauvaise. En disant, ben, il a pas pu aller s'asseoir, tu vois. Je pense que c'est plutôt de cette façon-là qu'il voulait expliquer. Alors, du coup. Laisse-moi voir mon petit coco. On va réorganiser tout ça. On fera un peu d'opening. Hein. Mais non, c'est bien rigolo là. Est-ce que si je mets là-bas, ça vaut le coup ou pas? Plutôt là, vraiment là, tu vois. Juste, allez, un petit cran sur la droite que j'ai un peu plus d'espace pour passer. Pas trop envie de raser les murs non plus, tu vois. Allez, disons que là, c'est pas mal. Hein. Ok. Là, mon petit restocking ici. Voilà, le truc ici, tu vois. Et peut-être... Ouais, on peut passer par derrière ce truc-là. Comme ça, il se prend une... Là, ils arrivent. Tu vois, je fais bien les bruitages. Et un deuxième... Ouais, mais attention à la monnaie, Gorskull, s'il te plaît. On va s'ouvrir une case, les gars. Ouais, on va se prendre une case complète, les gars. On se la pète. Vraiment, celle-là, on se la pète au complet. On se tape les 8 ETB, les gars. On va voir si ça pèse dans le quartier ou pas, les gars. Moi, j'aime bien, si vous voulez, pour l'instant, la config de la boutique. Ouais, c'est bien de faire ça ensemble. Ça change un petit peu de l'épisode où tu fais que de tracer la route aussi. Et puis de dire... non, putain, mets ça là. 4,04 sur 5, les gars, on a un beau magasin, 5 balles. Allez, on aimerait un gros hit, hein. Après, on a quand même eu. Hein. Tout à l'heure, un truc à 100 balles. Hein. Mais un truc un peu plus costaud, quoi. Bah, surtout notre floumi maxi énervé à... Putain, c'était combien? 9000 balles, je crois, la carte. Allez, on veut pouvoir proposer du lourd aux clients. Ne déçois pas, fiston. Bah, niveau taille et niveau étalage, pour l'instant, vu notre niveau et ce qu'on a débloqué, je trouve suffisant. On va quand même mettre après les étagères, comme je t'expliquais, en mode supermarché, tu vois. 24 balles. 119 balles. Impeccable. Bah, ça, c'est ce qu'on veut voir, les amis. Allez, le floumi énervé, hein, vraiment le floumi de l'enfer. 83 balles! Let's go! Ok. Les gars, on a encore 4 box, hein. 4 ETB à ouvrir. Et on se prend la licence, hein, des porcifeux de l'enfer, les gars. Allez, un gros hit là pour faire plaisir. 33 balles, ok. Ah, c'est pas suffisant. 5 balles, non, monsieur. On dit non. Du lourd.
veut emmener à saturation le micro, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Pour l'instant, ça vend quand même. Quelques belles petites cartes à proposer à la vente. Where is my Flumi? Et 77 balles. Ok, ça fait quelques petites cartes là. Allez, let's go. Ou autre, une nouvelle fantôme, hein, pourquoi pas. Alors, je connais pas le taux de proba là, ce serait bien qu'ils mettent un petit. Au moins que ça existe peut-être, tu sais, dans le machin là, ici. Alors attends, dans le machin. C'est oui, c'est. Dans le prix, tu vois, peut-être, tu sais, des cartes, il y a peut-être le taux, peut-être de drop. Tu vois, prenons celle-là, par exemple, le porcifeu, hein, art complet commun brillante. Est-ce qu'on a un taux qui pourrait être indiqué? Non. Alors, on a la valeur, l'évolution hein, du price de la carte, mais on n'a pas le taux de drop. Hein. Est-ce que là-dedans, non, c'est juste pour changer la série. Merde, j'ai fait le con, là. Oh, putain, j'ai passé la journée avec ces conneries. Attends, on va voir ce qu'on a fait en... Ouais, moins 1000 balles, mais bon. Allez, jour 14, les gars, bon, on va finir, hein. Ah putain, j'ai fait le con. Ah ben il veut plus m'enlever le truc. Ok, c'est bon. Pff. Les gars, il nous reste 3 cases, les gars. 3 ETB, les amis. Le Minotos à 8 balles. 15 balles le Flumi. Mais c'est pas le bon. Ah, à chaque fois je me gourre, pardon. Tu n'as juste à cliquer. Qu'à cliquer, c'est. Donc voilà, le super pulvérisateur qu'on a vu à 1500 balles, un truc comme ça, je vous le remonte après. Il y a une mise à jour, tu peux ne mettre que... Ouais, ça met juste... Avant, il fallait 2 shots pour clean 5 mecs. Là, il passe en one shot, il est clean. Hein. Donc ça t'évite d'avoir justement deux machineries, là. Mais j'aime bien, au moins, ils viendront pas faire chier derrière le comptoir. 26 balles pour le Minotos. Ok, ETB, ouais, non, ouais. 61 balles, si, on a eu quand même, 60, 70, une petite à 100, il me semble, de toute façon, on va voir vite fait après dans l'album, mais j'ai la mémoire très courte, 30 minutes, dépêche-toi, Gorskull, il faut voir autre chose, là, la nouvelle série, bien évidemment. Après, on n'a même pas poncé la violette, hein, la violette, hein, réellement, on l'a pas... Allez, la dernière ETB, les gars. Peut-être, et si jamais... Et pourquoi pas? Si voilà. Ok. Juste voir s'ils arrivent à s'asseoir. Hein, surtout. Logiquement, on l'a bien config. Hein. Ah, je m'attendais à une grosse là pour la fin. Ah. Bon, allez, gars, on va ouvrir. Je pense qu'on a. Ah, quoi. Pff, oh, attention. Ah, bah, je viens de les cramer. Ah, je suis obligé de repasser commande. Mais oui, Gorskull, tu prends tout, quoi. C'est pas bien ça. Faut laisser au client un peu, s'il te plaît. Après, j'en ai que. Ouais, je vais remettre là à côté. Hop, voilà. Le foutoir. Ah, bah, il y a des ETB violets. Ça, on n'a pas pris encore, hein, sans déconner. Ah, merde. Ah, il y a des objets dans la boîte, sans déconner. Ah, il y a une ETB qui traîne, les gars. Ah, tu sais ce qui va se passer. Eh, viens là, mon pote. Ah, tu sais ce qui va se passer. Ah, c'est dommage qu'elle traîne là. Je voulais pas, hein, les amis. Je voulais vraiment pas. Mais vu qu'elle traînait, j'aurais pu la mettre là dans la petite étagère de stockage. Mais bon, 13 balles. T'en as pas fait le petit récap non plus, là, vite fait des hits qu'on a eu. Oh, 13 balles. On va regarder aussi. Ah, ils ont pu tous s'installer là-bas au niveau de la table. 27 balles. Ils ont pu s'installer quand même là-bas derrière. Juste voir les tables à côté maintenant. L'autre ligne. Ok, je suis à toi, mon pote. Je t'en 5 balles. Ouais, ils peuvent s'installer, il n'y a aucune embrouille.
Alors, qu'est-ce qu'on a eu, les gars? Et on a eu 117 balles. 79, 77, 61, 34. Ok. Bon, disons qu'on a de quoi mettre sur l'étalage. Attendre que ça s'égrène un peu. Voilà, double dos. Ça fait vraiment le petit couloir. Venez pas, ça c'est chez moi. C'est ma partie et ça c'est pour vous. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Alors les amis, level 15, ça y est, figurine. Bah les gars, oh putain, j'allais cliquer dessus les gars. 2500, mais t'es sérieux quoi, Bird Pig? Ah, je voulais proposer ça. Bon, bah les sleeves à 800, ça là, elles sont pas mal, elles sont jolies. Hein. On va prendre deux box direct. Les boosters, les gars, les boosters. Ah, j'ai déjà plus de thunes. Hein. Donc, ah oui, et puis niveau 16 hein, pour les ETB, c'est pour ça qu'on les a pas encore. Donc effectivement, la licence à 900 balles quand même, ma couille. Hein. On va faire un peu de business, quoi. On va faire un peu de business d'abord. Les nouvelles sleeves, les gars. Ah, je vais les mettre là. J'arrive, hein. Ok, impeccable. Ah, elles sont jolies, hein. Hop, bouge pas. Prix moyen 10, arrondir. Ouais, 5 balles. 3 balles et 2 balles, celle-là. Ça va, franchement. Il va falloir que j'en remette, hein. Que je recommande. Il me semble que j'en ai là qui traîne, là. Non, plus du tout. Je suis à sec, hein. Ah, les petits porcifeux, les gars, bien sûr. Ah, 2500 queues, quand même, hein. Putain, il y a l'établi à chercher aussi. Punaise. Et je peux mettre une petite poubelle. Est-ce qu'on peut la déplacer du coup? Non. Elle reste vraiment. Oh, mais c'est quoi ce carton vide? C'est dégoûtant ici dans ce magasin. Je ne reviendrai plus. Les sleeves en haut, une petite bombe. Oh, je crois que j'en ai pris plus non plus ça du coup des bombes. Ah, il me reste deux, je vais en racheter. Allez, combien ça mon pote? 41 balles. Merci pour ta monnaie mon ami. Reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. Ah, c'est pareil, tu as la licence de 16, ça fait moins cher. Après, les bombes, c'est pas ce que tu commandes le plus. Donc, prendre la grosse licence pour les bombes. Ouais, ok, non, pas. C'est. Pas, on va dire pas nécessaire. Essaye de le planquer derrière. Eh, hey, Mani. Ah, il est planqué, c'est impeccable. Allez, achetez, les amis. Mais oui, bon prix, les gars. Bon price. Ouais, ça joue, là, ça bloque pas. Oh, tu m'as pris ces sleeves, là. Ah, on va devoir commenter un gros carton. Non, pas deux, juste un, ça suffit, je pense. Oui, monsieur, je suis là. Ah, tu vois les bombes, je savais. 55 balles. Ok. Mister. Ah, 18 balles. T'inquiète, il y a des achetés parce qu'il y a des cartes courtes qui arrivent, les gars. Ok, Slivos. Ouais, je vais pas tout mélanger. Steve en haut. J'aimerais bien prendre plutôt une grande par la suite, mais là pour l'instant ça va. On s'en sort. Je veux dire, on n'est pas. Ça va. Ah, les boîtes elles partent bien là. Les ETB. Justement, je vais recommander une boîte aussi. Une grosse pour le coup. Tac. Ah ben j'ai pas regardé les frais. Alors si tu vois, tu en commandes deux, c'est quantité 80, prix unitaire. Alors bah attends, ajouter au panier. Frais de livraison 5. Alors attends. Mais je suis con, je pouvais faire. Frais de livraison, ça reste à 5. Est-ce que. Ah, les frais de livraison, ils bougent pas. Hein. Ou oh, attends, c'est moi qui sais pas compter. 85. Donc si les frais de livraison bougent pas, on devrait être à 165. Ouais, et c'était bien le cas. Donc il n'y a pas. Prenons l'exemple. J'en prends deux. Ajouter au panier. J'en ai deux. J'ai qu'un seul frais de port. Donc ça revient au même en fait. 165. Et si je prends la grosse boîte là, ajouter au panier. Une boîte de cartes rares. 165, ça revient au même en fait. Donc, et peut-être que la théorie d'Elysia, à moins que c'est qu'elle était bonne et c'est avec la mise à jour que ça a peut-être changé. Attention. Mais tu as vu où je voulais en arriver là.
ça revient. Et même si tu prends 3 boîtes, t'as pas 3 fois 5. Donc au final, ça sert à rien d'acheter les grosses licences et de dépenser de l'argent. C'est juste à des plus grosses boîtes. Donc, tu te fais moins chier avec deux cartons. C'est surtout intéressant, on va dire, quand tu veux justement restocker là en masse, t'as réapprovisionné les étalages. C'est surtout intéressant de te balader avec un gros carton où t'en as 8. C'est surtout plus le côté pratique. Parce que là, au final, c'est kiff-kiff. Hein. Comme je le pensais, peut-être que ça avec la mage. Hein. Du coup, voilà, on va pas... Mais ça nécessitait un petit contrôle. Voilà, on recharge, j'en ai bien, le violet, là. On va être level 16. Oh, mince alors. Il reste encore un objet à l'intérieur, c'est dommage ça. On a vendu quelques cartes, hein. On va les restock là-bas. Oh. Il y a 4, hein. Je pense que c'est bon. Ouais, parfait. Les gars, nouvelle carte. Bon, et les grosses par contre, c'est 20%, les gars. Enfin, toutes les cartes maintenant, c'est 20%. J'ai assez fait de cadeaux là, les amis. Faut arrêter de déconner. Donc tu vois, les frais ne sont pas multipliés. À moins que c'est moi qui ai mal compris ou j'ai mal tourné le truc. Enfin bref. Et voilà, monsieur, s'il vous plaît, porcifeu là-bas, ça achète des bombes. Et prends pas toutes les bombes. Oh, dis, il m'en faut encore. Hein. Oh, le professeur est là, les gars. Le professeur est là. Va-t-il l'acheter, la carte à 1800 balles? Bon prix, mais on croit en toi, professeur. Va voir la carte à 1800, elle est pour toi. Mais oui, bon prix, mon pote. Allez! Ah putain, il ne l'a pas pris. Aïe, aïe, aïe. Un jour, c'est lui qui va la prendre, c'est sûr, ça. Professeur, là, tu déçois, là. Ah, les nouvelles sleeves, t'as vu? Ça, je t'avais dit. On est en place, hein. Ça joue ici, ça joue, les gars. On a 1900 balles. Alors, du coup... Alors, ouais, ça revient même, c'est juste pour... Voilà, re-remplir les rayons. C'est plus pratique, effectivement, d'avoir 24 boosters que d'aller chercher une boîte, revenir avec une boîte. Et tu... boîte de cartes rares, pourquoi j'ai acheté? J'en ai besoin encore. Ah oui, je l'ai... Ah, je vais reprendre une. Et on est comme ça, ici. Et ah oui, j'ai une petite TB à ouvrir qui traîne, les gars. Ah, merci. Ah, deux même. Oh, c'est de la gourmandise, les amis, la gourmandise. On laisse passer au client. S'il y a un gros banger dedans, sait-on jamais. On va regarder les avis un petit peu. Est-ce que la note du magasin a augmenté ou pas? Ah, mais depuis que j'ai augmenté à 20% le vente de cartes à l'unité, ça part un peu moins vite. Hein. Bah, c'était un peu cadeau aussi. Hein. On va peut-être remettre à 10%, peut-être, je sais pas. Prix du marché, tout simplement. Ah bah, il y en avait encore une qui traînait, dommage. Un gros truc, là. C'est vrai que depuis la carte à 1900 balles, la plus grosse qu'on a eue, c'était 580 lors de l'épisode précédent, il me semble, ouais. Et depuis, rien. Bon, une belle fantôme aussi, que j'ai eu en off, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais rien de qui casse des briques. Hein. On reste quand même relativement chanceux dans l'histoire. Attends, qu'est-ce qu'elle va dire, elle? Il y a assez de boosters, il y a assez de boîtes, c'est bon. Tiens, les avis. 4,62, mon pote. Punaise. Donc, tu vois, en fait, ce qui avait fait baisser la note, ouais, je suis bloqué et tout. Ouais, mais c'est impeccable. Hein. Là, on a un magasin, les amis. C'est fantastique, hein. Regarde-moi ça. Plaisir de voir les gaillards jouer. Ah, on est bien là, moi je te dis. Ça part, ça vend. On prend la monnaie, magasin 15. Est-ce qu'on n'arriverait pas à choper le... Facture, on est à combien là? Ah putain. Ouais, c'est bon, attends. On payera une autre fois. Alors du coup, ouais, la poubelle. À 500 balles quand même. L'établi à 1000 balles, hein. C'est vrai qu'on doit faire l'établi aussi. Là, je t'avouerai que j'ai pas beaucoup de place. Là, j'aime bien comme il est. Prochaine extension, c'est ça? Ah oui, t'as, puis t'as le magasin Lobé, là. Donc ça, c'est le magasin qui est derrière. Tu peux avoir le truc ici. Donc là, pour mettre ton établi, tes machins, tout ça peut être sympa.
Là, juste pour enlever les communes, faire des bulk packs, comme ils appellent ça, là. Disons que c'est pas encore la priorité. C'était d'agrandir, de le rendre un peu plus agréable au niveau de la circulation, pour moi bouger aussi à l'intérieur et tout. Ça part pas trop, tiens. 10 arrondir. Ouais, 28 balles, écoute, putain, sans déconner. Oh, 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 les gars. Réveillez-vous, là. Hein. Oh, on a plus de sleeve orange, là. Non, ça, c'est les nouvelles. Ça, c'est les blanches. Ah, bah, attends, on va commander. Les sleeves. Les simples, là, les oranges. Voilà, on va mettre juste un petit encart, ça suffira. Ah, bah, j'ai encore une boîte dehors. J'arrive, mon cher ami. Encore une boîte de TB, là. Je crois qu'il va m'en rester un, ouais. Hop, les bombes, ça derrière. Impeccable, ça fait une petite cachette en plus, t'as vu, c'est nickel. Alors, attends. Hop, on recombe ici. Hop, les ETB, c'est en bas, j'arrive. Ah bah ouais, ça part, hein, ça part bien, ça mine de rien, 123 balles. Hein. Allez, les cartes, là. Ben voilà, ça part, les cartes, c'est pas si dingue que ça. Est-ce qu'on arrivera à 2500 pour report? Ah bah tu vois, j'ai réinitialisé, entre guillemets, le prix. Pour finalement remettre à la même valeur hein, sur les ETB bleus à 28 balles. Hop, ETB ici. Voilà. Hop. Allez, les nous, on va se faire plaisir. Les gars. Hop, petite ouverture. Et bien, c'est la fermeture, les gars. Il est 9h du soir, hein, sans déconner. 26 balles! Il me semble que c'est dans l'épisode précédent. C'est, je me demande si c'est pas sur celui-là qu'on a eu un hit à, le hit à 500. Je ne suis pas sûr. De toute façon, t'as des gros hits hein, dans toutes les séries. Hein. Toutes les cartes sont déclinées en différentes. Alors, les cartes communes resteront communes, mais en différentes présentations. Un foulard, machin, rare, en brillant. Pas rare, mais je veux dire brillant. Full art, machin, enfin, tu as vu les différents trucs. Je suis pas le spécialiste hein, là-dedans. Et les gars, c'est Closed, c'est Water Closed, s'il vous plaît. Du coup, c'est pas mal. Hop, une petite carte à 30 boules là. Hop, parfait ça. On va mettre K plus 10. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa. Ça, c'est quoi? C'est une sleeve, 20-20, c'est partout. Ah, tu sais quoi, on va mettre là, on s'en fout. Hop. Donc, bah, tu sais quoi? Hop, hop. J'ai assez de bombes qui ont été vendues. Tu sais, je peux stocker en fouineur derrière, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Tirer dans les coms, là, c'est sympa. La dispo. Alors, oh, 12 mécontents quand même, hein, les gars. Plus 400, jour suivant, jour 15, les gars. Ah là là, on arrive aux 50 minutes, hein, sans déconner. On n'est pas bien. Ah, le porc, si... Ah, je pense que je vais économiser. Qu'est-ce qu'on on va regarder ensemble, là, vous me direz dans les commentaires. Ok, on a débloqué les sleeves comme on voulait. Le Burpeak 2500, hein, les gars, ça, c'est la base, hein, c'est la mascotte. Les autres, hein, tu donnes pas trop envie, tu vois. Là, vraiment, on va rester là-dessus. Quoique le petit golem, là, il est sympa, là. Hein. Le nanomythe, là, qui évolue, là. Il est sympa. Les deux autres, l'étoile et les chauves-souris, pas trop. Donc, peut-être un peu... Ouais, vous me direz si on débloque, si on fait les deux là, avec leurs évolutions, je pense que c'est pas mal. Étoile, chauve-souris, je veux pas trop. On va se débloquer les deux. Pour l'instant, je le fais pas, j'attends votre avis dans les commentaires. Et s'il y en a pas, eh ben les gars, je prendrai la décision tout seul comme un grand. Donc effectivement, à revérifier. Voilà, moi je trouve que ben, ça revient même au niveau des frais, comme on a pu le constater. Peut-être que c'était suite à cette mise à jour et que c'est passé... inaperçu, donc niveau 16, on va pouvoir avoir les ETB violettes, donc ça c'est cool, on va s'ouvrir là quelques paquets pour clôturer l'épisode 2, bon on va s'acheter une case hein, directement, hop, hein, on est comme ça nous ici, on rigole pas, on s'ouvre cette case là, et on va poser ça sur la table, hein. On n'est pas des, hein. On n'est pas des sauvages hein, les gars, on va faire ça propre, et sur le comptoir je crois même tu peux le poser, non? Ah, il veut pas. Non, on n'est pas des sauvages. On met ça bien, comme ça. Les gens de l'extérieur, ils voient que on est propre ici.
Ouais, voilà, j'attends aussi mal. Non, donc j'attends vos commentaires. Si on n'a pas, je prendrai la décision. C'est pas un problème. Donc petite mise à jour sympa. Avec la poubelle que tu peux placer à l'intérieur. Les avis, hein, effectivement, du magasin qui sont. Il y a moyen de se marrer et tout. La notation en soi du magasin 23 balles. C'est plutôt. Tu peux voir un petit peu ce qui se passe. Donc effectivement, bah, tout ce qui était bloqué, je peux pas rentrer dans le magasin et tout. Effectivement, c'est à cause de la table trop proche. Du mur. Donc là, un petit correctif peut-être à faire là au-dessus. Et 21 balles encore, et 6 balles. Fais peut-être un correctif dessus, puisque tu as le. Quand tu déplaces la machine, tu vois, tu as la. On va dire les déplacements nécessaires qui ont besoin d'être faits autour de ce cercle. Enfin, de ce cercle, de cette délimitation blanche. Donc effectivement, si tu peux la mettre au niveau là du mur, peut-être. Y voir, enfin, je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais t'as compris ce que je voulais dire. Enfin, moi, je me suis compris en tout cas. Le mettre un peu plus large, après, dans d'autres dispositions, ça peut créer un problème, le fait d'avoir plus, d'avoir besoin de plus d'espace nécessaire derrière la chaise. Voilà, j'ai trouvé mes. Oh, c'était compliqué là. Allez, une petite carte à 500 balles là, et puis ce serait pas mal parce que pas de régalade là aujourd'hui. Ou une grosse fantôme à 2000. Alors, je vais jouer un petit. Bah, 30 balles! Je vais jouer un petit peu en off hein, pour augmenter un peu les. Un petit peu la monnaie, puis débloquer le. La figurine porcifeu de l'enfer là, et faire le nanomite à côté, tiens, voilà. Si ça vous tente. Mais l'étoile et la chauve-souris, non, c'est pas. C'est pas terrible. Et ça amènera un petit peu de diversité et tout. Puis là, dans les cases, en. Dans l'étalage en mode panier. En mode panier, comme ça, ça prend pas de place, c'est nickel. Les peluches sont foutues dedans. Tu peux acheter deux cartons. Sur une étagère complète, tu peux claquer tes deux cartons dedans. Donc. Non, puis. Je trouve l'article et le produit plutôt sympa. Bon, bah écoutez, les gars, dans cette case, hein, on va finir avec ça. Et on aimerait. Mais voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir retrouvé pour cet épisode, hein, les amis. On peut se déplacer. Tiens, je vais ouvrir devant les clients, les gars. Eh oui, Puantos, t'inquiète. Regarde. Allez, on va à l'extérieur pour avoir une petite vision globale encore de ce magasin. Moi, j'aime bien. Je l'aime vraiment bien. La dispo comme ça. Vous me direz. Et on va, je pense, terminer avec. Pas de gros, vraiment gros hit aujourd'hui. 21 balles. Hein. Ah, peut-être en off, mais vous savez très bien que je le vendrai pas. Je les garderai pour vous les montrer lors du prochain épisode. En tout cas, les ermites. Les amis, merci encore une fois de m'avoir suivi. Le Gore Shock, ça tourne, les gars. On est présents. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!